Mes amis, des blocs ont pété en de la police là. Si monsieur Idmo est fâché, j'aimerais là, il y a une victime en de la police là. De quoi est-ce qu'il y a mes âmes ou fâché avec elle? On se voit brider, ni car les âmes dans le physio. Pour ça, mais qu'a passé en de Idmo, l'Ouest 2, bagala grave, bagala empiré. Non, moment parler là, Solino enflammé. Gros di fe en de Solino, kay a boule. Qui est-ce qui mette di fe sa yo? En koné, c'est nek belè. Depuis à plusieurs reprises, y a attaqué Solino. Yo vle pren kontrol Solino. Ti mesye sa vyen yo, kembe yon bandi, yon nek ki habite vole a fe moun, yo ba misye, boakale, yo exekte misye. Mais qui ont bagarre qui attire attention en dans vidéo ça qui publié là rete là nous va du causer et nous pas saisir ouais qui ça bagarre là qui a passé en dans la Tibonite dans ça vient pour Jésus chita nous va voir plus d'état avec précision comme tout bien ça nous tendait qu'a passé en dans Idmo l'ouest de là c'est question l'argent nous connaît depuis policier au travail faut que touché. Et nous connaissons ça, Paul l'a dit, job police, c'est job sécurité. Idmo toujours participé dans une grosse opération qu'a fait. Idmo, d'après, ça m'entendait, c'est une plus grosse unité qui gagne de la police là. Avant de Bri, Utag, mais Idmo, pour le département d'État américain, c'est Idmo qui est plus gros. Après Idmo ou ka pren ou mette et SWAT. Oui. Femme sou bien. Nek Idmo fâché. Yo fâché parce que y'a jwenn yon mauvais traitement en dan la police là. Mes amis, Idmo toujours là dans opération yo. Si yon bay prime de risque là, bay li. Rimeti monsieur li parce que yon travaille pour ça. Ce qu'on est fait. Regardez qui est dans Idmo, l'OS2. Yo campé, yo pas vle, bay ti monsieur l'argent. Sont dans tout. Policier Idmo l'OS2 yo, yo campé en rébellion. Jeudi mercredi 22 novembre 2023. C'est nous ça. Yo fait me connait, m'gen image. Gardez image ensemble. Nous ouais. Gen gros graffiti qui écrit dans mien. On va faire un petit pour nous. C'est ADM Idmo APA. Nous connaissons gros mot depuis mon nan kota vol li di li joue maman, c'est gros mot ça qui écrit dans mi en dans base Idmo. Et puis tout, yo saccagé en dedans, mettre tête en bas. L'en rive en dans administration, ça connait marqué ADM volé gang. Civicier. Ça veut dire là, yo mandé prime de risio. Le moins l'on Idmo qui dans l'Ouest 2, nous dit ça qui a passé comme ça en dedans. Bon plus de détails. Ça qu'on est répondre moi. Il dit mon cher journaliste là, ou connaît qui j'en bas là, n'a goumé. Le ba cob là, nego pas cob là aussi pas dans tes amis. L'homme dit qui cob, ti kat là, cob le mois. Monsieur dit nèg administration yo qui en dedans Idmo l'Ouest 2 yo séparé prime de risque policier yo anti zami en kokoday alors que yo même kap bourriquer matin midi soir yo pa jwenn rien nan prime ki bay pour encourager si la kap bourriquer nan ko spécialisé ki rele Idmo. Tendez mes amis. Ça grave. Kounya là, imagine nos négazam. Police yo. Sinon ça on toujours dit job police et job sécurité vraiment nous et job sécurité. Les hommes dit tuer policier. Bandi yo prend cadavre policier, famille en pas ka jeune cadavre là. Mais les policiers ignorer chablinde. Nan base gang yo. Le chablin de tombe en panne, yo couri ki chablin de parce que on connaît si autant de chablin de
bon Dieu va le bouler chamin avec tout eux-mêmes. Yo quoi quitter ce qu'on est France LB, regardez notre père chafé. La négocier avec bon Dieu. Yo voulez l'argent ba bon Dieu pour qu'a récupérer chamin d'a. Tandis que laisser un police tomber. Yo prend cadavre là, yo pas jamais à l'acheter cadavre là non mais bon Dieu. Ça te arrive, yo pas acheter cadavre là, mais yo te ka mener yo opération musclée pour te ka récupérer cadavre là. Yo pas fait ça. Eh bien, les gars fâchés, n'a regardé mieux là, dans administrative là, administration et nous ouais quand il a écrit nom porte administration, il a écrit ADM, bah on ça ADM n'avait dit voler gang civicier. C'est ça qui écrit et vidéo jouer maman, pas qu'on est responsable là. C'est ça qui a passé en dedans Idmo l'Ouest 2. Non, moment parler là. On prend affiche en vidéo. On veut prendre son prend temps nous pour nous la vidéo ça. Vidéo ça m'est affiché sur écran, regardez-le bien. Regardez-le. Nous ouais, la fumée qui a monté. C'est en dedans Solino. T'assembler, moi obligé mettre au conditionnel. Bandi belé yo récit envahi Solino pour tout bon vrai. C'est dit fait. Il y a quelqu'un qui passe en bas, qui me dit fait. Ça, c'est grave, c'est empiré. Il m'a demandé pour qui ça. Tout attaque ça, contre Solino. Non, mais je connais pour qui ça. L'homme contacté un ami, un policier, qui habite Solino. Ce qu'on est policier a dit nous. C'est grave, oui, c'est vraiment triste. Policier fait qu'on est monsieur le Maximilien on va dire comme ça un policier qui habitait Solino. Il dit toutes les bandits ont envahi Solino 19 novembre tout passé là, il était là lui avec collègue Lio dans opération attaquer pour te repousser nèg belé yo. Mais quand on pose ça yo depuis dans zone yo il pas ta mes bandi vinn pour zone là yo li obligé camper même que gien ka gien qui victime ça plus grave là les mande renfort les ba la vinn pas être trop pour yo yo pas ca danser dans ça pour que ces bandi envahi yo les mande renfort renfort pas jamais venir non yo pas jamais venir là yo venir bien tard les gens toujours en retard si ça la cause grand pile policier qui toujours tombé dans opération si là. C'est une bagaille plus raï. L'on police campé pour protéger zone ni à cause bandi belé envahi yo. Li utilise radio communication que li gen nan men là. Li lance yon SOS. Yo ignore appel là, yo pas vini. Attaque ça qui fait jodi là dans Solino. C'est dans les 11h. Nan matin quoi 11h15. Bandi envahi Solino là. D'après premier élément information que me dégain, bandi belé yo tendez oui, yo tenté pour entrer. Yo mettait difé. Oui, yo mettait difé. Et nèg yo besoin prendre contrôle zone là. Gè gros échange coup de zam, coup de balle Mikalao anda Solino. Parce qu'on est dans zone ça gagne police ta donne. C'est police Solino qui a goumé avec nèg kempesio qui sont si belé qui voulait prendre Solino en otage. Mes amis, maintenant c'est un appel même que il va attendre nous. Mais puis on fait, on ne pas faire du tout. Un appel SOS avec la police pour te renfort pour policiers. Qui a fait résistance avec les Beléo pour camper Goumé avec les Kempesio pour pas prendre Solino. Clé. Ça c'est ça et c'est ça que je fais pour nous. Je fais. Pendant que je parle là, je me dis dans le commencement de la vidéo, je dis que ça vient de un petit voleur ou un bandit qui est allé. Je fais monsieur parler. Je fais monsieur parler, il admet que oui, ils sont volés et. Pendant que vous faites parler, vous allez passer la mission en bois calé, vous allez exécuter la mission parce que
la volé a fait moun dans zone nan sous nom nek sa vient yo. On regarde vidéo ça, après ça m'a tourné pour plus de détails avec précision. Le li plein batterie, moi même quand on met petit panneau soleil avec des batteries machine. Qui compte aux jeunes yo? Bon ça vole vole. Volo volé yo. Sous zone nek sa vient. Bien que ce qu'a fait le soir, entre les gens, fouiller les gens pour un corps, baïti les petit les gens doivent violer, ils disent que c'est un service, c'est un palmiste. Est-ce que vous contribuez là-dedans? Vous contribuez là-dedans? Vous contribuez là-dedans? Dis-moi combien de cailloux cassés dans la boucle déjà. Oui. Je vais vous mettre M16 dans la tête, monsieur, pour me parler. Il y a trois questions pour vous là. Vous lancez, tout le monde pour classer. M16 dans la tête ou la vie de garçon. Zamim, dis-moi combien de cailloux cassés dans la boucle, combien de gens nous kidnappent et bien d'où? Non, moi. Vidéo ça, vous regardez là, c'est bandit. Je mets M. Chita. Nous, il a posé M. question, il a répondu. Il dit, ça n'a même pas gagné, volé. Le monde de M. combien de cailloux cassés, il dit, il n'y a pas cassé cailloux. Le monde de c'est combien de monde qui kidnappé par un bail comme ça? Il a fait répondre. Il a fait parler contre lui. Après ça, il a fait un monsieur. Il a fait un monsieur avec grand étonnement. Je vais regarder. Dès que ça vient, il y a une machine dans la police. Vous ne pouvez pas saisir. Je ne peux pas montrer une vidéo parce qu'il y a une machine dans le cadavre là-dedans. Je ne peux pas en sanction avec YouTube. Mais. Je prends un screenshot dans la vidéo, je poste une photo. Après, pied nègre maré, fait forger qui n'a vite pick-up là. Et ensuite, la machine là, elle est clairement identifiée, oui, c'est machine la police. Mais l'image là, est-ce que nous elle? Lorsque vous regardez l'image ça, sortez tout. Bandit, qui machine la police? Si tu as quoi avec la machine dans les soirs, ou pas courir? Ou pensez que c'est les policiers qui la donnent, qui font patrouille. Mais c'est bien dommage, c'est bien malheureusement, c'est gang yo qui gagne machine ça dans la main. C'est grave. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous faire traiter l'autre dossier Babi Chanel. C'est production 69. La seule façon où il y a une grande plateforme, c'est de prendre l'écran. Ou la sur WhatsApp, ou la sur statut WhatsApp, ou la sur Facebook. Laisse ça, ou invite l'autre monde à découvrir la plateforme ça. Qui c'est Production 69 et ou même fait tomber sur la plateforme là, n'a demandé pour la vidéo. Espace commentaire, il était activé. Nous pas désactiver parce que faut qu'on réagir à chaque émission qu'on fait. Quittez un commentaire pour moi. Oui, quittez un commentaire. Et pas négliger, dis qui paye regarder vidéo ça. Dans prochaine émission, pour qu'on voie une site spécial pour vous-même. Oui. Parce que la plateforme ça, c'est pour moi, c'est pour vous. Oui, c'est moi qui travaille sur lui, m'a informé ou m'a formé ou. Mais au même tout, pour son famille, immédiatement tombé sur lui, nous sommes des amis. Pas bon ici, nous avons menti, nous faisons buzz. Nous toutes les informations qu'on baille, c'est vérifié. Partagez la vidéo ça pour moi, s'il vous plaît, pour l'autre monde qui a fait connaissance avec la plateforme ça, qui c'est Production 69. Malé, rendez-vous. Nos prochaines émissions pour nous venir traiter notre dossier et dossier ça à plus belle toujours. Cadon. Puis, actuel DG ministère, Mignol Jeune. Et yon coordonnateur général projet qui relaie éducation pour tous EPT monsieur Norbert Stinfil tapa dirigé et c'est dans contexte ça n'a pas parler avec monsieur Norbert Stinfil qui pas en Haïti puisque nous songé dernier drame qui était arrivé dans résidence li côté yoté attaqué la Kaili avec nous monsieur Norbert Stinfil bonjour. Bonjour, guerrier Diocel. Bonjour, toutes les amis Radio Caraïbes. Bonjour, toutes journalistes, tout PIA. Et une pensée spéciale tout de suite à Liliane Pierre-Paul. Malheureusement, PIA pas de Paris pour perdre l'hypédule. Et à toutes les amis journalistes.
qui est victime de kidnapping, et qui, ça, etc. À tous les amis, collègues et de travail qui sont victimes de kidnapping ou qui mourent et des moyens, et parce que moi j'ai 6 ans en exil. Bonjour. Dernier sorti ça qui fait là à travers rapport ULCC, c'est ça qui poussait au parler avec nous matin là ou lit document probablement ou même parler avec avocat ou qui ça dit ou, avant, bien avant monsieur Stéphil et répondre question guerrier n'a pas souligné dans rapport à yo reproché monsieur Stéphil comme ancien coordonnateur projet EPT agent guerrier sous dit là qui c'est éducation pour tous là comme yon nan cadre qui s'engager et l'état ici dans cadre contrat ça sans le bagain autorité administrative pour ça, pour ça. Mm-hmm. Et yo expliqué comme exemple, c'est un exemple yo prend que monsieur et Stéphil Norbert li engagé l'état dans location caille entre ministère avec monsieur Reynold Dib pour la somme de $82,000. Merci. Peter voye un gros coup de chapeau pour tout citoyen pays et journaliste qui voulait rentrer dans la bataille contre corruption, parce que il y en a plus gros mal pays noir, c'est justement la corruption. Et moi-même, depuis tout jeune, moi choisi bataille contre la corruption. Et moi fait nom jusqu'à journée aujourd'hui comme un monde qui profonde dans la bataille contre la corruption. Moi lis le rapport ILCCA, moi écoute Radio Caraïbes et tout le monde qui connaît à travers le pays et à l'étranger est extrêmement vexé, extrêmement choqué pour amalgame ça qui fait avec nom dans le rapport ILCCA. Moi personnellement, moi pas connais monsieur Hans Jacques Ludwig Joseph qui c'est directeur général ULCC. Donc moi pas qu'à parler de lui, moi pas qu'à porter aucun jugement de valeur sous lui. Si que c'est on pas qu'on est pratique lui. Si que c'est un monde qui a une détermination pour la bataille contre la corruption et que la bataille contre la corruption, moi pour être bravo pour lui et lui gagne toute solidarité dans la bataille ça. Moi connais que dans pouvoir lié à dans structure lié à dans pouvoir lié à ça capable extrêmement difficile voire même impossible pour lui, mais si c'est tout bon la bataille contre la corruption. Bon, on en attente d'avoir un pouvoir vraiment cap gourmet tout bon contre la corruption côté a bien match de manœuvre pour gourmet contre la corruption, c'était ça l'a fait. Eh ben moi bat bravo pour lui et moi dit continuer c'est bien pour pays. Si alors n'a beaucoup mais ça gagne bagaille pour monsieur Joseph comprendre. Léon on a bataille contre la corruption en Haïti ou gagne pile monde sous dos ou mettez en pile monde sous dos. Lors rentrer dans institution qui gagne l'argent là dans ou gérer l'argent et puis ou gourmet contre corruption. Eh bien, ce n'est pas des ennemis ou pas gagne. Ou gagne famille qui est ennemi, ou gagne zami qui est ennemi, ou gagne cadre qui est ennemi. Parce que, gagne un monde qui estime, faut qu'on t'a fait ou fait l'argent, gagne l'autre qui estime, faut qu'on t'a bail ou l'argent, faut qu'on joigne l'argent. Depuis que c'est gourmet ou gourmet contre la corruption, gagne un pile monde sous dos. Mais cependant, monde de bien et eux, reconnaître ça. Et monde de bien, tout consortium monde de bien dans le pays, dans tout niveau, tout côté, ils ont choqué, ils ont vexé en pile par amalgame ça qui fait avec nous. M'apporter des informations pour M. Joseph, pour LCC pour, et pour tout le pays. Et puis, m'a demandé M. Joseph pour lui faire corriger le rapport parce que c'est dans un piège qu'il prend. Probablement, c'est un monde mal intentionné qui vient glisser nom dans un bagage comme ça qui n'a pas de rapport avec. Le rapport a parlé de 17 locales que ont loué pour le ministère de l'Éducation nationale et que semblait dans la base location, ça a eu de corruption. Et il faut un nom là-dedans comme coordonnateur général EPT qui n'a pas un statut fonctionnaire public, qui c'est un gros cadre de niveau international que le ministère a de concert avec les bailleurs de fonds, avec les procédures de gestion des bailleurs de fonds recrutés pour gérer des fonds importants pour bénéfice l'État, pour bénéfice pays. Alors, dans le contrat, moi,
dans termes de référence moi d'accord dans contrat moi gagner responsabilité qui fixé et c'est moi qui gagne responsabilité pour recruter ni personnel ni firme et signer contrat yo et administrer contrat yo évaluer contrat yo ça c'est mission. Ce budget EPT, moi, t'as dirigé, c'était 159 millions de dollars. Et gain audit deux fois par année par des firmes indépendantes et gain supervision la Banque mondiale. Tout bailleur de fonds, bail Banque mondiale, responsabilité, supervision administrative, supervision, gestion projet. Et l'un que j'ai altiré sous la caille, moi, le 29 octobre, avec des armes de guerre, ont plus de balles, plus passé 500 projectiles. Le rapport pour DCPJ a relevé plus de 400 projectiles. Ils ont déversé sur la caille, moi, madame, moi, à petite, moi, pendant que nous avons dormi. C'est justement pour bataille m'amener contre la corruption. Là, moi, rentré dans le projet EPT, moi, rentré dans un porte, il y a des cadres qui tout sorti dans l'autre porte parce que je connais déjà, je connais réputation, je connais pratique, moi, je connais que je ne suis pas capable de fonctionner avec. Parce que depuis 2010, je travaille dans le projet EPT. EPT, c'est un gros programme qui regroupe 7 projets. Moi, j'étais rentré dans EPT comme coordonnateur projet FIA, formation initiale accélérée des enseignants. Côté que moi, arrivé, restructurer le programme ça et diplômé dans une formation de qualité par le ministère, là, plus de 4500 étudiants. Diplômés à travers tout le pays à remettre par le ministère. Eh bien, moi, fait réputation comme dans différents postes, dans différentes structures, moi, passé, moi, fait réputation. Maintenant, rapport contrat, et on parlait de l'IA, contrat CAI EPTA, 82 000 dollars qui est contrat ça. C'est un contrat, les moins rentrés comme coordonnateur EPT, c'est un local qui était loué déjà. Et la passation de marché était tout simplement pour payer le local là. Mais moi-même, l'aime arrivé comme coordonnateur général, moi dit contrat location est trop cher, moi exiger une révision. Alors que le propriétaire là t'a écrit ou t'a contacté projet à pour lui demander pour augmenter location, il était voulu faire location en passé à environ 10 000 dollars américains par mois. Moi-même, moi dit contrat location autour de c'était plus de 96 000 dollars par an. Moi-même, moi commandé passation de marché pour convoquer propriétaire là pour que moi exiger une réduction contrat passation de marché rime me demander me côté me connaît par comme ça qu'on fait par une provision pour ça par comme ça. Moi dit non, moi moi m'a présidé réunion. C'est passation de marché pas qu'à faire, moi m'a présidé réunion et me convoquer locataire là après une pile discussion et vraiment pas facile nous river moi river faire locataire et propriétaire là diminuer contrat à 82 000 dollars. Ça ILCC cité là c'est un exemple anti-corruption, c'est un exemple ILCC t'a doué Kembe pour le citer dans le travail là faire comme un monde qui fait un travail important anti-corruption. Mais tout contrat projet, ni les contrats de plusieurs millions de dollars, tout contrat, ni pour recruter, ni personnel, ni firme, ni service, c'est moi-même qui signe, ça c'est prérogative moi que l'État ici était entendu avec bailleur de fonds. Pour qui ça? C'est parce que avant moi, tu es coordonnateur général EPT, l'État et Banque mondiale t'es dépêché. Une évaluation administrative, une évaluation gestion projet. Et suite à l'évaluation, la Banque mondiale mettait d'accord avec tout l'autre bailleur de fonds dans le projet, tant que BID, tant que Partenariat mondial pour l'éducation, tant que BDC, Banque de développement de la Caraïbe, tant que Coopération canadienne, le Canada, etc. Et Banque mondiale mettait d'accord avec tout l'autre partenariat pour faire des recommandations solides à l'État ici, à ministère de l'Éducation nationale. Et dans les recommandations, il y a 10 ministères de l'Éducation nationale, il faut recruter un cadre qui a un niveau, qui a une habitude de gestion, qui maîtrise les procédures, qui pour gérer le projet avec l'autonomie qu'il faut, qui pour gagner une possibilité pour l'évaluer et pour les décider sous gestion projet. C'est ça que fait. Thème de référence, coordonnateur général projet a été refait.
et l'État haïtien te mette d'accord avec bailleur de fonds sur ça, et que c'est moi qui te gagne toute responsabilité ça. Et tout rapport d'audit yo montrer que Jean Projet a été bien géré à un point tel que en mois d'août et 2017 partenariat mondial pour l'éducation, Banque mondiale t'est convoqué et invité dans Washington pour aller et décorer pour bon gens travail moins fait côté unité de financement ça qui t'a géré 159 millions de dollars ça vignon dans meilleure unité de gestion qui gagnait dans zone Caraïbes Amérique latine nan, par rapport à résultat qui baille et à finesse gestion et à zéro faute qui gagnait dans gestion projet a. Et mais c'est yo t'ai invité ministre et finance là qui t'allait. D'une part, yo t'ai invité ministre moi éducation avec moi-même, moi t'ai gain engagement avec famille moi, c'était que nous te prend pour fêter anniversaire mariage moi ma madame moi et vacances avec petite moi. Moi t'ai dit ministre Agenor à l'époque moi pas capable aller, ministre Agenor dit il est tellement satisfait, il est tellement content et que c'est et moi on va le mettre en valeur, on va le décorer, si me pas capable aller, il pas prêt aller. C'est ça que me t'ai obligé faire sacrifice, quitter famille moi et puis moi aller dans rencontre ça Washington et voilà Voix de l'Amérique te fait un reportage sur ça. Mm-hmm. Donc ULCC monsieur Hunt, on pas parler de n'importe qui monde, on parler de un monde qui gagne un passé en présent. Dans la bataille contre la corruption. Il y a un monde qui glisse en profil en bas pied. Je me demande tout de suite, tant pis s'il vous plaît, corriger le rapport et sortir une note d'excuse publique parce que, côté où mettez nom, je n'ai pas aucun rapport avec ça. Aucun rapport avec ça, c'est prérogative moins si et négocier un contrat à travers la passation de marché et signer un contrat, évaluer contrat yo, faire suivi et pour une bonne gestion de projet Monsieur et Staffel. Ce que moi fait convenablement qui fait que mon nan pouvoir qui te soit fait corruption, qui te besoin l'agent EPT yo tenté assassiner ni moi-même ni famille moins qui fait que jodia moi en exil pratiquement dans la pauvreté. Mm-hmm. Voilà. Monsieur Stafil, donc, vous parlez de thème de référence, vous parlez de l'État haïtien qui est prérogative, ça, à travers qui ça? Un document, on dit qui sien, entre qui est-ce avec qui est-ce? Entre ministère de l'Éducation nationale avec Banque mondiale, pour une petite précision sur ça. Bien sûr, entre ministère de l'Éducation nationale avec Banque mondiale et ministère de finance tout, mm-hmm. parce que et les fonds yo gestion fonds yo c'est ministère finance et ministère éducation nationale qui concerné avec les bailleurs de fonds et dans contrat de don yo Antonio c'est le contrat de don qui est le document de base. Dans le contrat de don, l'État ici entendait avec bailleur de fonds que projet a géré suivant les principes de gestion du bailleur responsable de la gestion. Et c'est à Banque mondiale, c'est Banque mondiale qui te gagne tâche gestion projet. Donc, document ça, qui c'est un premier document. Et puis, gagne un contrat moins comme coordonnateur général EPT, contrat qui gagne deux parties la donne, contrat en lui-même avec thème de référence là qui décrit tâchement. C'est document ça qui document fondamental là. Mm-hmm. Et c'est étonnant ça qui passe là parce que ULCC pas contacté pour aucune explication et ULCC pas même contacté projet A pour qu'on ait qui mécanisme projet A été gagné et comment projet A été géré. Et pas gain aucun contact qui fait tout ça et il y a gain tout rapport d'audit qui là audit indépendant ULCC pas contacté. Mm-hmm. Donc moi pense que c'est un ennemi dans monde qui pas vle ou même pour bataille moi mener contre la corruption qui glisse un profig en papier monsieur Hans et moi mandé monsieur Hans tout simplement pour lui corriger rapport et puis pour lui sortir une note d'excuse publique. Bon, là, il était à la justice ou même à travers cabinet avocat pour faire et suivi ça. Contrat 82 000. 159 millions. Oui. Moi, c'est tout avant que moi t'ai arrivé coordonnateur général EPT. Mm-hmm. C'est un cas qui lui depuis des années. Contrat, c'était
plus de $96,000. C'est moi-même, paraître, exiger une réduction du montant du contrat pendant que propriétaire là, c'est augmentation loyer, l'été voulait dans mes projets. D'accord, donc qui est suivi ou a fait là, ou a obtenu la justice, puisque... Non, parce que la justice, je vais m'expliquer au cause. Si que M. Hans comprend que lui prend un piège et lui gagne et glisse, lui corrige, eh bien c'est ça qu'il faut. Parce que si c'était, c'est la justice qui prend ça en charge, eh bien l'a gagné responsabilité personnelle, M. Hans, qui est engagé avec tout ça, la loi prévoit pour ça, et a bien responsabilité l'État tout, qui est engagé parce que c'est une institution de l'État. Moi-même, pas un monde qui besoin faire faille à monde qui voulait faire bagaille positif. C'est ça que fait moi inviter M. Hans pour le regarder, pour le comprendre, pour lui corriger le rapport et pour le sortir en notre excuse publique. Mais s'il n'a pas fait ça, je n'ai pas aucun autre choix que faire chemin la justice là. Et dans le chemin la justice là, la responsabilité personnelle, Monsieur Joseph, qui a engagé avec tout ça à sa portée comme conséquence, et avec co-responsabilité l'État qui permet que des autres affaires. Ok, d'accord, mais merci en pile, nous passé l'explication yo bail, donc il était coulé à la justice du pays d'Haïti pour faire suite là, puisque nous dit l'espace ça, nous pas la justice, mais nous pas qu'à barrer la route à un monde qui gagne non cité porter explication li jugé nécessaire. Merci en pile, monsieur Norbert Saint-Phil. Merci Guerrier, merci Radio Caraïbes, bon travail, bonne journée. Voilà, Kimbella. Monsieur Norbert Saint-Phil, qui est ex-coordonnateur au programme EPT Éducation. Cité. Il fait partie. Qui pague où? Eh bien, ministre. Bagayou fait. Et ce n'est pas seulement dans le ministère de l'Éducation nationale, c'est dans tout le ministère. Logiquement, le seul ordonnateur, c'est le ministre. Donc c'est lui-même qui est habilité pour engager l'État. Mais engager l'État dans tout ça qui concernait le trésor public. Maintenant, nous sommes vraiment dans la procès à écrit, il y a deux organisations autonomes qui sont ONAP avec FNE. Tous les deux, directeurs qui ont signé, mais bon, c'est des gros niveaux de la gaille, il faut que nous mettions l'autre conseil d'administration. Mais tout le monde qui a réagi, c'est eux-mêmes qui signent. Donc ça, c'est l'autre bagaille que je voulais dire. Maintenant, pour ça qui concerne, je dis, faute de gestion, parce que je quitte l'autre monde aussi, dans place pas. Non, ce n'est pas ça lié du tout. Dans le cadre bailleur de fonds, et dans tout ministère qui existe, c'est comme ça lié, pendant ma parole là, je dis à la ministère de l'Éducation nationale, bon, c'est des contrats de bail, ce n'est pas ministre qui signe, c'est coordonnateur projet officiel. C'est comme ça, ça est même d'après accord de don et puis manuel de procédure. Donc, comme là, ce n'est pas ministre qui gère, ce n'est pas trésor public tout, c'est bail de fonds même qui vient avec Kobli, qui font projet. Tant que projet, ça, nous gagnons un hectare, qui se nouvelle éducation citoyenne tournée vers l'avenir, qui sont projets. Des projets EPT, ça a parlé de l'IA, on a assez pécurelé pour une éducation de qualité. Projet ça aussi, bon, par exemple, il y a aussi BID, il y a aussi Banque mondiale, il y a aussi AFD. Tant qu'on est à lui-même, c'est AFD pour des projets ça. Et EPT lui-même, c'est Banque mondiale. L'argent ça, c'est bail de fonds même qui gère. Ok, c'est pas les ministres qui gèrent. Et projet ça, ce sont des projets portés, pilotés du moins par la direction générale. Donc c'est la ministre qui signe dans yo. On doit juste depuis et l'autre n'a pas dit tout. On te dit c'est ça. Là on te pose une question. On dit que tout ça a dit pas concerné parce que tout est déjà dans vous. Et malheureusement, il y a juste porté un blackout sous mouvement blackout fait là 2015-2016. Tout bagage initié en 2015. Même dans local l'état gagné yo. Pile taille tout partout mettez yo. Yo m'invente tout te là, soit administration par nationalement, c'est deux bagages qui m'ont engagé, et c'est moi qui signe tout, c'est juste pour aider l'État. Premier ça m'a signé, gagner un vieux dépôt dans Delma 2, bon circulation,
le ministère de l'éducation nationale depuis un vent, il a été loué pour plus passer 5 millions de gouttes pour déposer des matériels. L'homme vient comme ministre, malgré le mouel pas bon, il dit ça, c'est pire l'État. Et bien, qui ça me fait? Il a été loué local ça remet, et monsieur Grégory Brandt. L'homme voit ça même, il dit c'est pas possible. Et devine pas, monsieur Grégory Brandt, il vient de plus me dire la montée locale là, qui est plus que 5 millions de gouttes là. Je me dis, je vais quitter. Et bien, je vais quitter, je vais mettre une commission pour chercher notre local. Une zone locale dans Delma 69 pour 3 millions de gouttes et pic. Donc, il vient faire presque 2 millions de bénéfices. Local, il vaut 20 fois local, il y a des enfants. Parce que non seulement il y a un espace de dépôt, il y a un espace de bureau. Deuxième bagaille qui me fait qui vient pas de marcher, et bien, c'est que l'Emrivé me dit que au ministère, pas qu'à 17 ticailles. Et une autre qui n'a pas même représentable, je me dis qu'il faut que nous finissions ça. Je forme une commission dans le ministère pour chercher Kaï. Il y aurait un bon Kaï dans le tabac, c'est un ancien hôtel. Et bien, qui ça vous fait là-dedans? Eh bien, nous formons une commission, nous prenons Génis Connect à l'évaluer, nous faisons une commission d'évaluation, nous les louer pour nous mettre toutes 17 Kaï. Et non seulement dans le Kaï tabac, ça a un coût 24 sur 24, un de l'eau 24 sur 24. Alors, ce qu'on a dit, c'est que ça, chaque semaine, le ministère acheter gaz, chaque semaine, le ministère voyez le gaz encore, et de l'eau, donc, ouais, l'argent de l'eau gaz seulement, nous avons est en train de dépasser quoi vous payez là. Et l'homme te fait calcul, quand il te prend tabac, tu as tout dit, c'est que et bien, lui-même, il a permis de faire plus de 60 millions de gouttes de bénéfices. Malheureusement, il a fait complot, il a fait conspiration. Il a monté tête pour faire connaître que il n'a pas besoin de faire ça qu'il a droit loin. Donc c'est comme ça, il y a un film de caille, il y a un film de caille, nous obligés de prendre pour nous faire un peu de dépôt, et bien on fait un coup, on fait un coup, couper, parce que c'est pas tout ça, on dépend de caille pour nous faire un dépôt. Même d'où, mon yo, si l'ILC c'était combattre corruption, donc pile corruption d'a besoin. Mais il faut la chercher, nous avons une corruption. Donc pour nous comprendre, en résumé, tout bagarre où il y a une faute de gestion, ou bien faute administrative, sous l'administrative là, c'est pas soumis au fait. L'ILC c'est comme ça, très bien, je dis ça. Tout le bagaille est initié en 2015. Norbert Stéphile, qui est parlé là, le monté comme ministre, m'a joué déjà comme coordonnateur répété qui a signé. Et l'a venu, c'est pour ça qu'il a eu accord de don, ni ou bien dans Samuel et Manuel de Bosédia, et bien c'est Barre de Fonds qui dit qui est-ce qui doit signer. Nous, jusqu'à présent, pendant ma parole là, c'est coordonnateur qui a signé des contrats de BAFM ou d'autres contrats pour les projets. Pour les projets. Donc parce que le projet est bailleur de fonds lui-même, il n'est pas passé par le ministre et par le réseau public pour engager l'État. Donc d'ailleurs, même si on a dansé $1 dans le bailleur de fonds, qui est-ce qui est capable d'autoriser? C'est seulement bailleur de fonds qui peut bailler coordonnateur là au nom d'objection. Ok? Au nom d'objection. Et par exemple, nous avons raison, et peut-être qu'il peut jouer aujourd'hui, nous avons un État, c'est de ça. Ça veut dire que mon accusé là, même si il a été signé le document ça, il n'y a pas d'aucune faute de commettre. Et par ce sont des projets, des bailleurs de fonds qui sont pilotés par la direction générale qui paraît même et procédure avec bagaille qui engage l'État. D'accord. D'ailleurs, ISS est analysé tout le contrat, il va tout répondre à nos mieux. Et je me dis bien, tout le bagaille sont faits dans Rome, les mois entrés dans le ministère, comme notre ministre qui vient là, nous venons dans le cadre continuité de continuité administrative. Et nous, par exemple, ministre qui a initié la là, bah, c'est lui qui actionne ministre. Ok? Donc, même Abdoune, ça clairement, c'est lui qui actionne ministre. Donc, il a cessé de grand pile opportunité pour te joindre bon genre d'information. Parce que le monde qui est initié là, c'est lui qui l'a toujours, et bah, il a continué jusqu'à présent, dans toute pile de caillou. Même du grand pile, non, c'est pas l'État qui paye, c'est pas de fonds pour l'État. Okay. Tant qu'on côté dans la zone, il y a une direction ressources humaines, il y a une direction enseignement secondaire, il y a une direction enseignement fondamental. Il y a l'autre bureau là, toujours dans le bureau national, l'examen d'État, et bien local, ça lui-même, il y a plus que 3 ans d'arrêt, parce que c'est Banque mondiale qui est contre PL, il n'y a pas payé encore. Ou il y a un État qui est dans la 40B, qu'on aime quand on l'autre côté, c'est AFD qui est contre PL. Ou il y a des locales dans la restriction générale, tant qu'il y a ça aussi, BIP qui est contre PL. Donc tout projet, tout bagage qui est payé avec l'argent de fonds,
eh bien, il va suivre même procédure avec bagaille qui concernait engager l'État. Mm-hmm. Donc, ma compte, si nous clair, si nous avons précision, nous faisons toujours. Mm-hmm. Oui, donc moi c'est précision yo poté donc nous tellement gain réaction là et Johnny moi c'est nous assez clair et que n'a pas l'autre suivi yo, d'accord? Et on se consolme hein. Mm-hmm. Jean Douya m'a présumé nous non pays qui charge à corruption. D'ailleurs dans le ministère de l'éducation nationale des grands pile problème parce que nous t'a combattre la corruption en pile. Mm-hmm. Et tout pendant dans le ministère comme ça. Société a été comme ça, nous, laisse ça. Nous, je dis à la, si elle s'est à combattre corruption, dans pile gros magou qui a fait l'administration de l'État, il faut que l'État cherche le vidéo, et même peut-être dans un ministère. Mais nous encourageons, elle s'est fait travailler, mais il faut qu'il prenne pour cela, pour ne pas faire la gagne qui est comme ça, et puis pour éviter tout, pour la faire des rapports qui partiel à l'épartiel. Parce que j'en doulis, tout le bagage est fait en 2015-2016, tout le cas est loué. Donc, le monde qui vient après, il est rentré seulement dans le cadre de continuité administrative pour LCC qui m'a dit affaire à la 2015 à 2020, liquide 2015-2016, l'année 2017 à 2020. Donc là, moi-même, comme vous pouvez l'être à fin de rédiger, au plus tard demain. C'est ça que je devrais faire, ça ne va jamais parler moi-même parce qu'il est vrai que je ne suis pas indexé pénalement, mais puisque je suis ministre et que je suis tout accusé, je me connais. Donc, la question pour signature, eh bien, avec les projets de bail de fonds, c'est eux-mêmes qui habilité pour signer, c'est pas ministre. Mm-hmm. Et tout le monde a coûté là, qui est dans l'État, qui est dans le ministère, ou qui est ministre, ou bien qui est coordonnateur projet, je connais ça très bien. Mm-hmm. Et moi, de qui je pouvais ULCC faire, parce qu'on ça lui-même, et qui j'en fait tout, notamment Mounio, l'indexé, l'IPATAL, joigne tout pour poser aux questions sur le bail. Mm-hmm. D'accord? D'accord. Donc, et je finis, ma conclusion, je commence à mon administration à la tête du ministère de l'Éducation nationale pendant plus de 4 ans, soit administration Jovenel Moïse là, soit administration saine et n'importe quel défi, parce que pour joindre un petit trou dans l'administration.